Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet échange autour du client connecté. Je suis Maïté Plantec, directrice France du cabinet Univers Retail, cabinet de conseil, et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Philippe Penaud, qui est senior manager partner chez Uberall. Voilà, nous avons choisi cette thématique car nous sommes convaincus que pour atteindre leurs clients, les marques doivent aller au-delà des moteurs de recherche. Avec Uberall, nous allons souligner l'importance du travail qui doit être fait pour la recherche en ligne, bien sûr, mais aussi la gestion de la visibilité des marques hors ligne. C'est en intégrant ces deux dimensions que vous pourrez créer l'engagement client. Alors, je vais juste faire une petite présentation d'Univers Retail. Univers Retail est un cabinet de conseil en management et en stratégie opérationnelle, spécialisé dans la distribution B2B et B2C. Nous accompagnons les retailers depuis leur stratégie jusqu'à la déclinaison opérationnelle. Et nous intervenons sur des projets de la supply chain, aval, amont, le sourcing, les achats, l'approvisionnement, mais également les référentiels produits, la data, évidemment, la data produit, le parcours client en magasin, l'e-commerce, les marketplaces, le marketing digital, le CRM et la data client. Voilà, je vais laisser Philippe présenter Uberall. Merci Maïté. Bonjour, bienvenue à tous pour cette première conférence. Donc je suis Philippe Penaud, je gère l'écosystème partenaire et agence chez Uberall. Uberall en fait est une société allemande qui existe depuis 11 ans dans le siège à Berlin et on est éditeur d'une plateforme SaaS qui va vous permettre en fait de synchroniser toute votre donnée point de vente en fait avec les annuaires, avec les réseaux sociaux, mais aussi de pouvoir collecter en fait, les avis clients, y répondre. En fait, c'est un véritable hub qui permet de gérer la relation client au travers du numérique, ce qui est une tâche extrêmement compliquée. Si vous avez géré des fiches Google My Business, vous savez que ce n'est pas très simple. Et sans une plateforme, on est un peu battu d'avance. Donc, on a de très nombreux clients, plus de 1800 à notre actif, dans les différents verticaux du retail. Ça peut être le retail tout à fait traditionnel, mais aussi des choses un petit peu différentes comme l'oil and gas avec des stations-service, la restauration avec des gens comme McDonald's ou Starbucks de manière intégrale aux États-Unis par contre. Et donc, à tous ces clients, en fait, on apporte la vérité data sur tous les annuaires. Et c'est cette visibilité sur les annuaires, en fait, qui permet de remonter dans les classements et dans le ranking Google, qui est vraiment le cœur aujourd'hui de notre enjeu et qui est le nouveau funnel de conversion, en fait. Alors, il existe effectivement une multitude de possibilités de contact entre le client et sa marque. Nous allons voir évidemment les contacts en ligne, les réseaux sociaux, mais également tout ce qui se passe en magasin et hors ligne. Alors avant ça, on va juste refaire un petit tour d'horizon de ce qui a transformé l'environnement du retail depuis ces dernières décennies. Donc évidemment, dans les années 2000-2010, Internet offrait multiples possibilités de recherche et donc permettait d'avoir directement des informations sur les produits. Malheureusement, les canaux étaient encore très fragmentés à l'époque. Ensuite, l'ère Google, le règne de Google. Donc, si vous cherchiez systématiquement sur Google, puisque c'était quand même très important, vous vous fiez aux résultats de recherche et donc aux avis que vous pouviez trouver avec Google. Les plateformes digitales se sont développées énormément ensuite en intégrant elles-mêmes les contenus enrichis avec des photos, des vidéos, des messageries, évidemment tout ce qui va être boutique en ligne et donc de nouveau un petit peu plus transformer ce parcours. La pandémie, on y revient malheureusement, elle a énormément priorisé la digitalisation des enseignes, évidemment, mais elle a également accéléré l'omnicanal et la place des points de vente au cœur des stratégies, notamment en accélérant le click and collect et la digitalisation des points de vente. Plus récemment, l'IA, donc on est au début des pratiques, mais on a déjà...
pas mal de marques qui l'utilisent, notamment la marque Stitch Fitch qui va l'utiliser. Qui va utiliser l'IA pour connaître les préférences stylistiques de ses clients et de cette manière pouvoir proposer des produits personnalisés. Spotify également, hein, vous connaissez, utilise l'IA pour connaître les préférences de ses utilisateurs et proposer des playlists également personnalisées. On est au début hein, de l'IA, mais nous sommes convaincus que l'IA va vraiment apporter de la fluidité au parcours client en enlevant pas mal de frictions. Donc, nous allons regarder maintenant les différents processus de recherche aujourd'hui qui s'offrent aux clients. Je vais laisser la parole à Philippe. Merci Maïté. Alors, je ne sais pas vous, moi je pense que je suis un consommateur vraiment moyen. C'est-à-dire que je suis totalement volage, je ne suis fidèle à aucune marque. Et généralement, quand je fais une recherche, elle démarre très souvent en ligne. Et je cherche un produit ou un service. Ça peut être magasin de sport, dentiste, enfin peu importe. Et en l'occurrence, je vais me concentrer sur les premiers résultats de la recherche. J'utilise Google. Je ne suis pas le seul, hein. C'est 6 millions de recherches Google chaque minute. Il y a 50% de ces recherches qui sont des recherches qu'on appelle near me ou autour de moi. Je suis à la recherche d'une pizzeria ou de tout autre produit ou service. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai le Google Pack qui s'affiche, qui me donne les trois premiers résultats, les plus pertinents. Et ensuite, j'ai le SEO organique. Je suis un super feignant, donc je regarde les premiers résultats. Et ma deuxième action, c'est de regarder la note. C'est vraiment le... Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais en fait, je pense qu'on fait absolument tous pareil. Et donc, ça, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est que les clients des marques font exactement la même chose. Aujourd'hui, on va pratiquement plus sur les sites Internet des marques, si ce n'est en fait pour trouver du support ou une info technique dont on a besoin. Tout passe par la recherche Google. Et donc, ça a un impact vraiment très important, de même que tout le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, 2h30 en moyenne par personne. Donc ça signifie que je suis très sensible aux messages qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui vont me proposer en fait des produits ou des services. Donc c'est toute une nouvelle manière de consommer qui nous impacte, avec en plus un nouveau phénomène qui est le showrooming. Ça qui est un petit peu une sorte de malédiction, mais il faut bien s'y faire. C'est qu'il y a de plus en plus de clients qui, pour des achats par exemple technologiques, vont aller faire le tour des magasins, regarder les produits, voire solliciter un vendeur sur place, et ensuite aller comparer les prix sur Internet, d'accord, de manière à trouver la meilleure offre. Donc là, c'est une autre problématique qu'il convient d'adresser et qu'on ne peut plus ignorer. Donc, et quelquefois, j'entends un petit peu, je vais terminer cette slide là-dessus, un discours un peu schizophrénique de certaines marques qui disent « Oui, les fiches Google My Business, oui, on s'en occupe, les franchisés gèrent leurs fiches, etc. » C'est-à-dire que c'est totalement hors de contrôle. Ce qui est important, c'est que si une marque n'est pas propriétaire des droits sur les fiches Google My Business, en fait, de ses magasins, elle a un levier qui lui échappe absolument totalement. OK ? Et donc, ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est qu'on a ce qu'on appelle un continuum. C'est-à-dire que, en fait, la limite, là, c'est vraiment les différents éléments du digital, avec le digital à gauche et le physique à droite. C'est qu'en fait, un engagement avec un client peut démarrer n'importe où et se prolonger n'importe où également. Donc c'est extrêmement, extrêmement important en fait de soigner tous ces éléments. Et c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est compliqué. Parce qu'il faut penser aux réseaux sociaux, à la gestion des avis, à l'interaction avec les fiches Google, avec la communication sur les réseaux. Ça fait beaucoup de choses. Mais on va voir qu'avec méthode, on va pouvoir adresser tous ces sujets les uns après les autres. Le commerce continuum. Alors juste, on va rappeler un petit peu les différentes recherches. Donc pour commencer les recherches en ligne, effectivement, hier, on devait se rendre en magasin pour trouver les produits, faire plusieurs magasins, même pour comparer, poser des questions aux vendeurs pour connaître les spécificités du produit. Aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, on se connecte, on recherche sur les moteurs de recherche, les annuaires, les assistants vocaux, les comparateurs de prix. Voilà, la comparaison se fait en un clic. Beaucoup de marques utilisent aussi cette présence digitale. On y reviendra plus tard.
La présence de ces marques sur les moteurs de recherche va être hyper importante, et d'où l'importance de ce que va vous présenter Philippe, le Presence Management. Et oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous parlais de funnel de conversion. La fin du funnel de conversion, il est là. La fin, elle est là, en fait. C'est-à-dire que je peux dépenser un budget média, faire beaucoup d'actions de publicité en ligne. Si, quand il y a une recherche indirecte, je cherche un magasin d'électroménager, par exemple, ma marque n'apparaît pas là, il y a de très fortes chances pour que je ne voie jamais le client. D'accord ? Et donc, ça, c'est extrêmement important. Alors, Google, en fait, a des recettes, c'est un peu comme la sauce du Big Mac. On en sait une partie, mais dans le détail, on ne sait pas exactement comment ça marche. Même si nous, on l'étudie, c'est notre métier de le faire. Néanmoins, il y a des leviers pour y arriver. Et notamment, c'est d'obtenir le plus de citations, d'avoir des catégories qui sont bien documentées, d'avoir des mots-clés intégrés et être, si possible, présent sur le plus d'annuaires et de réseaux sociaux. Donc, et c'est justement ce que fait notre plateforme en mettant la donnée, qui est vraiment la clé du métier, surtout ces annuaires. Alors, s'il suffisait juste d'avoir de la donnée sur des annuaires, ce serait un peu facile. Hein. Vous imaginez bien qu'il n'y aurait plus de différenciateurs. L'autre élément différenciant qui est extrêmement important, ça va être notamment les avis, dont on va reparler tout à l'heure, qu'il faut gérer. Alors, ce qu'on cherche à obtenir, c'est ça. C'est, pour faire du bon anglais marketing, les call to action, drive to store, les clics sur itinéraire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand il y a un clic sur itinéraire, le client va se rendre dans le point de vente, généralement maximum une semaine, et dans le meilleur des cas, 24 heures. C'est-à-dire que si je cherche un chargeur pour mon iPhone, par exemple, je vais faire chargeur téléphone, il y a des chances que je file à la boutique ou station-service, par exemple. Donc, c'est là où il ne faut pas se rater et où il faut être réellement présent. Donc, on voit que chez Jonac Chaussure, on a plus 125% de clics sur itinéraire. D'ailleurs, l'une de leurs boutiques a fait plus 51% de chiffre d'affaires. Je pourrais vous citer KFC également en Allemagne, plus 17% de chiffre d'affaires la première année pour les franchisés qui ont utilisé la plateforme. C'est-à-dire que même pour les recherches brandées, en fait, on obtient des résultats, ce qui paraît surprenant, mais pourtant, c'est une réalité. Ou encore Yves Rocher, Okaidi, Sephora et d'autres. On a parmi nos clients, par exemple, Indigo, les parkings souterrains. Et si vous y pensez, quand vous êtes en train de circuler dans une ville comme Paris et que vous cherchez parking, si Indigo arrive en tête de liste dans le tripack, il y a de fortes chances pour que vous y alliez. Donc même pour eux, ça a du sens. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas que le retail. On voit que dès qu'il y a un établissement au sens très large, en fait, on va avoir intérêt à être visible et être justement au bon endroit du funnel de conversion. Maïté, je te repasse la parole. Très bien. Alors, on continue sur la recherche en ligne, évidemment. Donc on a parlé de la recherche pure, mais il y a évidemment tout ce qui est évaluation et comparaison qui va contribuer à la notoriété de la marque. Donc, évidemment, hier, pour comparer les produits, on visitait plusieurs magasins où on se fiait aux différents avis de nos amis, de notre famille. Aujourd'hui, de la même façon, de n'importe où et n'importe quand, on va rechercher sur les plateformes digitales, sur les moteurs de recherche, les comparateurs de prix, et on va se fier aux avis clients. Et bien sûr, avec l'arrivée des réseaux sociaux, aux influenceurs qui vont énormément diriger nos choix et nos actes d'achat. Alors, je vais vous poser une question. Qui parmi vos enseignes, vous donc en l'occurrence, répond aux avis des clients sur les fiches Google ? Ok, très bien. Vous êtes assez peu nombreux. Il faut savoir que c'est un canal extrêmement important. Parce que ça vous permet de prendre la température déjà du marché, de ce que pensent les clients de vos points de vente. Ensuite, c'est très structurant, parce que si j'ai des clients qui se plaignent sur un établissement d'une queue interminable aux caisses, je sais que j'ai peut-être des ressources à mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas le voir comme je dirais, du finger pointing, mais plutôt comme une source d'amélioration. Et l'autre effet qui se coule, pour ceux qui ont la référence, je commence à me faire vieux, je crois, c'est que lorsqu'on répond en fait à un avis, notamment s'il est négatif, les émetteurs de l'avis ont tendance à l'effacer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un mauvais karma et que lorsqu'on laisse quelque chose de désagréable à la vue de tous et que la marque a répondu, ben on l'efface bien souvent. Donc ça, c'est important. Et autre point, c'est que dans la réponse aux avis, si on est un peu malin, on va pouvoir mettre des mots-clés.
D'accord? Donc, on va pouvoir mettre des mots-clés SEO de manière à augmenter son ranking et faire plaisir à Google. Parce que Google estime qu'il faut répondre en moyenne sous 18 heures, voire 24 heures. Et donc, ça, c'est vraiment le juge de paix. C'est-à-dire qu'avoir des informations bien documentées, ça ne suffit pas. Google regarde l'avis qu'il y a sur ses fiches, Google Business Profiles, et en fait, vous remontez dans le classement si vous êtes actif, que vous publiez des choses, que vous répondez aux avis, etc. Donc, c'est vraiment très important de le faire. Alors, évidemment, si on a 700 points de vente, par exemple, on peut se dire que c'est un truc de fou. Parce que les directeurs de magasins n'ont pas forcément le temps. Ils sont plutôt sur la surface de vente que derrière leur ordinateur. Et donc, aujourd'hui, pour nous aider, on a l'intelligence artificielle qui est arrivée et qui permet, en fait, en se basant via un prompt, on va dire, un peu travaillé sur la tonalité générale du site ainsi que sur toutes les réponses aux avis précédents, de générer automatiquement des réponses aux avis qu'on va ensuite pouvoir valider et poster. Alors, il faut savoir qu'on peut également mettre en place un workflow de validation. Si vous souhaitez, d'une manière globale, être en un contrôle, en fait, des réponses aux avis, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et on a aussi des outils de sentiment analysis qui vont aller tirer la quintessence des avis positifs et négatifs pour donner des tendances sur les établissements, les régions, sur la marque d'une manière globale. Parce que il peut y avoir du positif dans un avis négatif. Par exemple, je ne sais pas, la cuisine était très bonne, mais l'attente était trop longue. Donc, on a du plus et du moins. Et ça, l'IA permet d'aller chercher ces éléments pour vous les remonter. Donc, on l'a vu, recherche en ligne, moteur de recherche, les avis, très important. Évidemment, les réseaux sociaux, les recommandations aujourd'hui sont très fortement, on suit très fortement ce que nous préconisent les influenceurs ou votre cercle d'amis ou de connaissances partage sur les réseaux sociaux. Donc, on a des marques déjà qui utilisent en fait les réseaux sociaux pour enrichir leur contenu sur leur site ou qui vont créer du contenu spécifique pour les réseaux sociaux. Par exemple, Gymshark a créé du contenu spécifique pour TikTok de façon à élargir son audience et toucher le public, le consommateur qui utilise TikTok. On peut également citer la marque Glossier, qui, elle, utilise tous les avis des consommateurs et surtout des réseaux sociaux qui récupèrent une grande partie de ce que donnent les influenceurs pour enrichir leurs fiches produits sur leur site. Oh là là, ça va trop vite. Alors, l'IA, Maïté, non. Désolée, j'ai cliqué trop vite. Du coup, comme on a parlé beaucoup des influenceurs, évidemment, ça a changé et aussi notre manière de rechercher sur les moteurs de recherche. Maintenant, l'image est cruciale dans la recherche. Donc, il existe des applications de recherche visuelle qui vont permettre de rechercher plus facilement un produit. Snapchat, typiquement, a intégré un moteur qui s'appelle Scan, et vous pouvez scanner n'importe quel objet, et ça va vous donner toutes les caractéristiques, d'où le produit vient, et où vous pouvez l'acheter. IKEA, marque bien connue également de meubles, utilise également une application de recherche visuelle pour, à partir de son catalogue, vous pouvez placer les meubles dans votre environnement, dans votre logement, dans votre pièce. Et ça facilite vraiment la décision et l'acte d'achat. Donc, nous allons effectivement passer à l'IA. Ça veut bien ? Là. Magnifique. L'IA, oui, alors on en parle beaucoup. Je vous ai dit qu'on a déjà intégré, on a un partenariat avec ChatGPT. Et donc, on intègre l'IA comme assistant aux réponses. On gère également les réponses aux avis qui sont laissés sans commentaire. Vous savez, typiquement, la personne qui laisse une étoile sans aucun commentaire. On a un moteur, en fait, qui va générer des réponses aléatoirement pour pouvoir répondre à ces avis parce qu'ils sont pris en compte par Google. Il faut le savoir. Donc, on ne peut pas nécessairement les laisser de côté. Et ce qu'on voit arriver, donc ça, c'est Google AI Overview, qui n'est pas encore disponible en Europe. Donc ça, c'est une copie d'écran US. On va avoir ce type de recherche. Et ça, c'est un game changer, parce que bon, c'est écrit en petit. Mais la question qui a été posée,
Qu'est-ce qui est le mieux à faire en fait au Bryce Canyon avec une famille, avec des enfants qui ont moins de 3 ans et un chien? Okay? Et donc la réponse qu'on voit est très documentée, que c'est pas le parc Bryce et le parc des Arches sont family friendly et que les chiens ne sont pas acceptés partout. Je vous fais la version très très rapide. Donc on a une description qui répond exactement, pardon, qui répond exactement à ma demande avec des fournisseurs de services qui sont juste à côté. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut commencer à se projeter dans ce monde. On pense que le SEO organique va subir une chute d'à peu près 50% à horizon 2026, 2 ans, ça va aller vite, hein. Et donc il faut se projeter dans ce monde-là en travaillant la sémantique, en mettant des descriptions, en mettant des éléments que l'intelligence artificielle va pouvoir exploiter pour présenter des résultats pertinents. Ça, c'est aussi un game changer extrêmement important. C'est-à-dire que juste une référence avec une ligne de description sommaire ne suffiront plus pour remonter vos produits. Ça, je pense. Les slides changent tout seuls. Je ne sais pas pourquoi. Je n'appuie même pas sur le bouton. D'accord, ok. C'est ton magnétisme animal, ça. C'est ça. Donc, on a vu toute la partie recherche en ligne, mais comme vous l'avez dit, l'importance aussi, c'est de combiner avec la recherche hors ligne et la visibilité que la marque va avoir hors ligne. Donc, les magasins physiques aujourd'hui ont vraiment. Je suis désolée, ça change tout seul. Je ne sais pas si. Tout Donc les magasins physiques aujourd'hui, ils offrent une expérience unique, une expérience sensorielle. C'est vraiment à cet endroit-là où on peut voir, toucher, sentir. Donc ça, c'est primordial dans la relation à la marque où le consommateur va vraiment vivre une expérience. On parle vraiment d'expérience. Le bémol, c'est que effectivement, ça va manquer ça peut manquer de largeur de gamme ou vous manquez également d'avis pour pouvoir comparer le produit avec d'autres. Mais tout ça, grâce également à la digitalisation des points de vente, vous allez pouvoir le compenser. On peut également la place humaine, c'est-à-dire le rôle traditionnel du vendeur a grandement été modifié également par le numérique, par le digital. Les clients arrivent bien souvent bien mieux informés avec leur recherche préalable en ligne. Ils sont très informés quand ils arrivent en magasin. Donc ça change la dynamique vendeur-client. Et ça va être beaucoup plus axé sur le service et le conseil. Donc, dans le modèle omnicanal, les outils digitaux vont pouvoir aider à apporter des services supplémentaires. Évidemment, tout ce qui va être, par exemple, réalité virtuelle, cabine d'essayage. Comme ça, on va pouvoir avoir une largeur de gamme plus importante. Mais tout ce qui est aussi click and collect, retrait, commande, essayage, on peut échanger sur place. Voilà. Donc, il faut garder à l'esprit que la recherche hors ligne, elle est complémentaire et elle est très importante dans le parcours client. Alors, on a vu pas mal de choses. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le retail, pardon, dans les différents modes de recherche, dans les différents parcours. Mais on va s'arrêter sur trois éléments qui nous paraissent avec Philippe clés, qui sont les vitrines digitales dans la recherche, tout ce qui va être hors ligne, donc ce qu'on va appeler la pop-up generation, et puis les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, sur les vitrines digitales, hein, Philippe, si ça veut bien. Alors voilà un store locator. Je pense que vous avez certainement des store locators pour vos établissements. C'est un élément vraiment essentiel. Alors on a pensé que le store locator serait clé, notamment à cause du Digital Market Act. On en reparlera un petit peu après, mais pour l'instant ça n'a pas trop évolué et on va dire que la Commission européenne n'a pas réussi à tuer Google, so far pour l'instant. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le store locator doit contenir des informations pertinentes, pourquoi pas des informations produits, et notamment les horaires, et que cette donnée doit être extrêmement précise et en ligne avec ce que vous publiez par ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes présent sur des fiches Google, si vous êtes présent en fait sur différents annuaires, eh bien, il va falloir que le store locator dise exactement la même chose. Pour deux raisons. Déjà, si l'information n'est pas cohérente, vous risquez de perdre des clients qui vont se dire là, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas ouvert. Encore pire, si jamais vous indiquez que le magasin est ouvert et qu'un client s'y rend
alors que c'est fermé, là, l'image est complètement désastreuse. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans l'autre sens, si Google me dit que c'est fermé et que c'est ouvert, je vais penser que Google a dit n'importe quoi. D'accord ? Mais je ne vais pas incriminer la marque. C'est bizarre. Et donc, le Store Locator, alors, on a un module Store Locator. Vous imaginez bien que si je vous en parle, ce n'est pas totalement gratuit. Notre Store Locator est synchronisé sur la donnée que vous avez déjà mise sur tous les annuaires. C'est-à-dire que si un directeur de magasin décide d'une ouverture exceptionnelle ou d'une fermeture pour inventaire, par exemple, le Store Locator va être mis à jour sans aucune intervention de votre part. Donc, vous avez vraiment un hub data qui va être extrêmement utilisé, sollicité pour tout ça. Et juste pour finir, sur une page web, en fait, on se fait une opinion en 50 millisecondes. Le cerveau humain, en 50 millisecondes, se dit « ça, c'est bien, j'ai envie de regarder. » Ou là, « c'est compliqué, je comprends rien, je passe à autre chose. » Et on est vraiment, je dirais, aussi volatile que ça. C'est-à-dire que dès que c'est compliqué, on ne fait aucun effort, on va aller chercher l'information la plus facile à obtenir. D'où l'importance de l'image. Alors, là, ce qu'on s'est permis d'appeler la pop-up génération, aujourd'hui, les magasins physiques, qu'ils soient permanents ou éphémères, revitalisent l'expérience client. Ils jouent un rôle capital dans la relation que le client va créer avec la marque. Donc, évidemment, il faut faire preuve de beaucoup de créativité pour attirer le client dans ces magasins. Mais avant tout, le consommateur cherche une expérience. Ce n'est pas un simple acte d'achat. Il va vraiment rechercher une expérience qui va mettre des étoiles dans les yeux. Peut-être qu'il n'achètera pas et qu'il achètera en ligne après. Mais en tout cas, ça, c'est un engagement. Parce que si l'expérience, elle est suffisamment visuelle, on reparle de l'image, il va partager sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il partage sur les réseaux sociaux, c'est tout bonus pour la marque. Parce qu'on va le voir hein, avec Philippe, l'importance des réseaux sociaux dans cet engagement client auprès de sa marque. Alors, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un autre volet de votre activité. On peut dire qu'il y a vraiment différents piliers. Et il faut les adresser les uns après les autres en essayant d'être assez méthodique parce qu'on se rend bien compte que ça va extrêmement vite. Alors, je ne parle même pas des digital natives qui ont laissé tomber Facebook depuis longtemps et ne sont que sur les réseaux instantanés. Mais d'une manière générale, il faut aller chercher l'information ou recevoir des sollicitations depuis les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement important. Et être capable, depuis une plateforme unifiée, de publier aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'on va évidemment proposer, vous vous en doutez. Je veux vous raconter une anecdote qui est très intéressante. C'est qu'on a parmi nos clients deux pétroliers. Donc, on a Total Energy, toutes les stations-service, et BP, toutes les stations-service également. Et lorsqu'on a onboardé en fait, BP sur notre plateforme, ils nous ont dit « Ah, on a une tonne de pages du Facebook ». Bon, OK, on a onboardé les pages Facebook puisqu'on est capable de récupérer les avis, les questions, publier, etc. Et on leur a dit « Mais pourquoi ?» À quoi ça sert ? Et c'est là où on voit effectivement qu'on est loin de maîtriser tous les usages clients. Ils nous ont dit, c'est extrêmement simple. Parmi nos clients, il y a plein de fans de tuning. Vous savez, les jackies avec les voitures avec des LED partout. Là. Ces gens-là se retrouvent sur les parkings de nos stations-service le week-end pour montrer leurs dernières jantes chromées. Et donc, ils utilisent les réseaux sociaux pour poster leurs photos et se donner rendez-vous. Et l'intérêt pour la marque, c'est que ils mettent du carburant, évidemment, mais surtout, ils vont dans les boutiques consommer. Et donc, en fait, ces pages lieux Facebook sont devenues des hubs pour ces passionnés de voitures. Je me moque d'eux, mais il y a de vrais passionnés également dans le tas. Et on peut imaginer la même chose pour, je ne sais pas, un magasin de puériculture, pour un magasin de bricolage, où les gens pourraient échanger des astuces pour refaire du carrelage ou je ne sais quoi. Donc, pensez à ce canal, qui est un canal de communication sur lequel, en plus, vous allez pouvoir poster des choses. En fait, et interagir avec vos clients et prolonger l'expérience qu'ils peuvent avoir en magasin. Rappelez-vous, le continuum numérique, physique, on est en plein dedans. Oui, tout à fait. Ça change tout seul. Donc, on a vu énormément de choses, mais peut-être, Philippe, tu pourrais donner les éléments clés qui permettent de façonner la stratégie marketing d'aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des choses qui existent, et aussi de demain. Oui, alors là, on va juste peut-être voir des choses qui ont attiré notre attention. Alors, bien malin, qui peut dire l'avenir ?
Mais c'est vrai que le Digital Market Act a beaucoup fait parler de lui. On va voir que les résultats aujourd'hui sont un peu différents de ce qu'on attendait. Le Zero Click Search est une tendance qui va s'installer de plus en plus, même si Google n'est pas encore tout à fait prêt. Enfin, on a du mal à comprendre quelle est leur stratégie. Et bien sûr, l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment clé. Donc le DMA, ça a été, comment dirais-je, ça a été vraiment le talk of the town d'il y a un an et demi à peu près, où tout le monde disait c'est la fin de Google, ils ne vont plus pouvoir faire ci, etc. Vite, il faut que tout le monde ait un store locator, sinon on les cuit. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la Commission européenne n'a pas réussi à tuer Google, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont juste en fait fait aux GAFAM ce qu'on avait fait en fait à Microsoft avec Internet Explorer début des années 2000, quelque chose comme ça. Et donc, c'est exactement le même principe. On dit à Google, sur vos terminaux mobiles, sur votre device, vous devez proposer d'autres solutions que les solutions de Google. Donc, néanmoins, c'est à suivre parce que la réglementation peut changer. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut être présent sur d'autres plateformes également. Il ne faut pas tout miser sur Google, il faut être ouvert aux tendances. Peut-être que demain, on a parlé de Bing avec l'intelligence artificielle ChatGPT qui pouvait monter potentiellement en puissance. Ça n'a pas encore eu lieu, mais voilà, il faut. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, il faut garder les yeux ouverts. Et certainement en termes de réglementation, où les choses peuvent évoluer extrêmement rapidement. Rapidement. Le Zero Click Search, rapidement, c'est la mise en avant de produits et de résultats par l'image. Donc là, l'idée, c'est d'aller encore plus vite et de ne plus proposer de liens. Donc, essayer de dire, voilà, je cherche une jupe. J'ai directement tout un tas de jupes qui s'affichent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand ça arrive sur mon écran, je regarde tout. Je scrolle. Je scrolle et il m'arrive de trouver le produit que je cherche. Pas toujours. Et quand je ne l'ai pas trouvé, ben, je regarde ce qui est dans le SEO organique. Donc, il faut être également prêt pour ça. Et bon, on y réfléchit. On travaille sur un outil qui s'appelle le Local Inventory, où on aimerait bien aller au-delà, c'est-à-dire mettre à disposition d'utilisateurs des produits en stock dans sa zone de chalandise, en fait. C'est-à-dire que je cherche une paire de Nike XXX, eh bien, je vais avoir directement les Nike qui sont près de chez moi. Voilà. Mais c'est encore assez compliqué à mettre en œuvre. Et puis pour finir, ben, l'intelligence artificielle, donc le GEO, Generative Engine Optimization, dont on a parlé tout à l'heure. Soyez prêts à avoir des descriptions en clair de vos produits, de vos services, de manière à ce que l'intelligence artificielle puisse s'alimenter et proposer votre marque et la mettre en avant. Merci Maïté. Donc on a vu énormément de concepts, hein, donc entre la recherche en ligne, la recherche hors ligne, tout ce qui va concerner les réseaux sociaux. Donc il y a multitude de possibilités. Évidemment, ça fait beaucoup, mais en même temps, dans un contexte qui évolue très rapidement, le retail évolue sans cesse et très rapidement. Donc ça stimule aussi la créativité marketing. Donc c'est aussi un beau challenge pour le commerce continuum. Donc si on devait résumer, les marques, elles doivent s'adapter à ce retail qui va très vite et qui change très vite. L'important, on l'a dit tout à l'heure, la data, évidemment. Donc elles vont devoir être en permanence analyse de leur marché, mais également segmenter et personnaliser leur offre, hein, auprès de l'analyse de leurs clients, créer évidemment un parcours fluide, un parcours omnicanal qui soit fluide, embrasser la technologie, on en a parlé, de l'IA, de la recherche, des applications de recherche visuelle, et puis utiliser tous les moyens qui permettent d'accroître sa visibilité et offrir aux clients une expérience, on parle bien d'expérience, dans son parcours jusqu'à l'acte final d'achat, mais surtout pour créer de l'engagement. Puisqu'on à l'ère du numérique, on sait que les clients sont très volatiles. Donc, nous, on pense qu'il est important d'adapter une approche multidimensionnelle, on dira aussi holistique, évidemment customer-centric, pour adapter la stratégie marketing des marques, donc dans cette approche, et rester surtout pertinente et cohérente. On l'a vu, hein, sur les différents canaux de recherche, les différents canaux d'achat, pour que le client soit vraiment engagé.
Philippe, un petit mot à rajouter pour conclure? Ben ça me fait penser un peu à la caverne de Platon, en fait. C'est-à-dire que on voit des ombres sur les murs et puis ben, il faut sortir à la lumière pour embrasser tout ça, quoi. Et c'est compliqué parce que c'est une multitude de points différents. Mais effectivement, adapter sa stratégie en fonction de ces nouveaux paradigmes est extrêmement important, en fait, pour toucher les clients. Et comme tu le disais justement, c'est ce qui fait que notre métier est si passionnant. Oui. C'est qu'effectivement, on est sorti des sentiers battus, on va vers quelque chose de totalement nouveau. Et on se doit de repenser l'expérience client. Dans le continuum, aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un point de vente en ligne et un point physique. Je peux avoir envie d'acheter en ligne et de ramener en magasin. Je peux avoir envie d'avoir des interactions complètement nouvelles. Et c'est vrai que ça donne mal à la tête parce qu'en termes de logistique, si on prend ce cas-là, c'est vraiment compliqué à mettre en œuvre. Mais il faut commencer à y penser également, les interactions sur les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, bah, j'espère qu'on vous a un petit peu apporté l'air du large, oui, sur toutes ces technologies avec des pistes de réflexion. Merci beaucoup et merci, n'hésitez pas, s'il y a des questions, nous y répondrons volontiers.